bilan de la visite de Rockmar Christian Caboret à Paris. Beaucoup de promesses et d'engagements. Mais question, que représente aujourd'hui la coopération française pour le Burkina? Dans ce journal, une large page consacrée à la question et un invité pour plus d'éclairage, Alpha Barry, ministre des Affaires étrangères. Et puis les dernières pluies qui se sont abattues sur plusieurs régions du Burkina n'ont pas apporté qu'une fraîcheur bienfaisante. Les habitants de Farakan au secteur numéro 1 de Bobo-Dioulasso se sont réveillés les pieds dans l'eau. Ils incriminent les derniers travaux de voirie réalisés dans leur quartier. Où en est-on du projet EBOVAC 2? Il s'agit de la mise au point d'un vaccin préventif contre le virus Ebola. Le processus est à la phase 2, celle de la vérification de la toxicité du vaccin. Des dizaines de volontaires ont déjà été vaccinés à titre expérimental, le point dans un instant. Ce terrible drame dans le sud-ouest de l'Aisne, un incendie dans un temple hindou a fait au moins 107 morts et plusieurs centaines de blessés. La plupart souffrent de brûlures. Des milliers de personnes étaient réunies hier dans la nuit pour célébrer le nouvel an hindou. Tout est parti d'un feu d'artifice alors que ce type d'engin était interdit à cette manifestation. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. 3 jours de visite officielle à Paris, c'était la toute première visite de travail de Rockmar Christian Caboret. 2 objectifs, obtenir un soutien militaire pour lutter contre le terrorisme et l'insécurité et de l'argent pour financer des actions de développement inscrites dans son programme. Le président du FASO est rentré à Ouagadougou avec de nombreuses promesses. Le point avec Ali Doubadini et Jacques Lamissa Tarpaga. En se rendant à Paris, le président du FASO avait 2 grands dossiers dans son escarcelle. La lutte contre l'insécurité avec en prime le terrorisme et la relance économique du Burkina Faso. Rockmar Christian Caboret et son homologue français se sont accordés sur l'appui de la France pour combattre le terrorisme. Cette demande va se concrétiser par l'envoi de gendarmes du GIGN à Ouagadougou pour la formation des unités spéciales nationales. L'accord sécuritaire entre la France et le Burkina, qui a expiré en janvier, ferait également l'objet de discussions prochainement. Le gouvernement français entend aussi apporter un appui à l'Agence nationale de renseignement. De son côté, l'Organisation internationale de la francophonie intervient pour la mise en œuvre du Haut Conseil de la réconciliation et de l'unité nationale. Dans le dossier économie, le Burkina a obtenu de la France une aide budgétaire. Le déficit annoncé de 302 milliards de francs CFA a été revu à la baisse. Pour l'instant, le montant de cette aide n'est pas connu. Il est prévu dans la convention que les ressources seront utilisées à renforcer le réseau d'approvisionnement de la ville de Bobo-Dioulasso à l'horizon 2030 par la réalisation d'un certain nombre d'investissements, dont 3 à 4 forages à gros débit, l'extension de la station de traitement et de pompage de Bobo-Dioulasso en ce qui concerne Ouagadougou. Une partie du financement servira à améliorer la gestion du réseau de Ouagadougou. Une rencontre à l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a permis d'avoir du soutien pour la formation des 4200 enseignants qui seront recrutés. L'organisation promet aussi de mettre à disposition les technologies de l'information et de la communication pour une meilleure formation des enseignants mais également des élèves. Le président du FASO a demandé à l'UNESCO de rétablir son prix au FESPACO et sa voix a été entendue. Et puis dans la coopération entre les deux pays, il y a cette agence qui joue un rôle central, l'Agence française de développement. C'est à travers cet organisme que la France concrétise son aide au développement au Burkina. L'AFD intervient dans plusieurs secteurs de développement. Explication, Roger Kam et Drissa Séré. Au Burkina Faso, la France est le premier bailleur de fonds bilatéral. L'intervention française s'opère essentiellement à travers l'Agence française de développement AFD, qui est un vecteur important de l'aide française aux pays des hommes intègres. À travers cette agence, la France est présente au Burkina Faso dans les secteurs de la réduction de la pauvreté et les secteurs du développement économique et social. Selon les données recueillies auprès de cet organisme, sur la période 2007-2011, l'AFD a injecté environ 220 millions d'euros au Burkina Faso. L'AFD intervient prioritairement dans des secteurs clés comme l'éducation, la formation professionnelle, l'eau et l'assainissement, les voiries et les infrastructures de base. Depuis l'année 2000, l'AFD soutient le gouvernement dans le domaine de l'éducation de base avec environ 60 millions d'euros, soit environ 40 milliards de francs CFA.
La filière cotonnière, le développement rural et la sauvegarde de l'environnement ont bénéficié de financements conséquents. Dans le domaine de l'hydraulique, l'AFD a signé à Paris avec les responsables de l'ONEA une nouvelle convention de prêt pour l'alimentation en eau de la ville de Bobo-Dioulasso. Présente déjà dans le projet, l'AFD accompagne également le financement de la prochaine phase du projet Ziga en vue d'un meilleur accès des populations ouagalaises à l'eau potable. Elle est aussi présente dans l'énergie électrique. En partenariat avec la Banque mondiale et l'Union européenne, l'AFD va cofinancer la construction de la première grande centrale solaire du Burkina Faso sur le site de Zaktouli pour un montant total de 63 millions d'euros, soit environ 42 milliards de francs CFA. Globalement, l'action menée par nos opérateurs se déroule bien. Quand on est sur, évidemment, des opérations plus de base, il faut tenir compte de la formation des personnes et de la capacité à mener des projets par les Burkinabés eux-mêmes, ce qui entraîne parfois quelques retards, mais globalement, le taux de décaissement est vraiment très satisfaisant en ce qui concerne la coopération française. En droite ligne de sa stratégie de coopération, la France accompagne tous les secteurs qui s'inscrivent dans la mise en œuvre du Programme national de développement économique et social, qui est le nouveau référentiel de développement des autorités burkinabées. D'ores et déjà, elle compte travailler avec cet instrument important en expérimentation qui produit des résultats encourageants. L'appui aux collectivités de base et aux ONG burkinabées. L'objectif est de renforcer les actions prioritaires ciblées. Pour l'année 2016, il est attendu une aide budgétaire directe au nouveau gouvernement. Sur le plan militaire, la coopération entre le Burkina Faso et la France est vieille d'une cinquantaine d'années. C'est depuis 1961 que Paris accompagne le Burkina pour la consolidation de ses forces armées. Le Burkina abrite d'ailleurs deux écoles à vocation régionale financées par la France, à savoir l'Institut supérieur de protection civile et l'école militaire technique. Le point de cette coopération militaire avec Dramane Dadian. Sécurité et défense font partie des dimensions majeures de l'amitié entre Paris et Ouagadougou. Éprouvée le 15 janvier dernier par l'attaque terroriste, des éléments des forces spéciales françaises étaient sur le terrain aux côtés de l'armée burkinabé pour sauver ce qui pouvait encore l'être sur l'avenue Kwame Nkrumah. Une action saluée par le président du Faso. Remercier le président François Hollande et la France pour l'appui et qui nous a été apporté également lors de l'attaque terroriste du 15 janvier, qui nous a permis, en liaison avec nos forces de sécurité, d'arriver à bout de ces terroristes. Je suis Ouaga, a dit le chef du gouvernement français, quelques heures après l'attaque de Ouagadougou qui a fait une trentaine de morts et de nombreux blessés. Face aux enjeux sécuritaires dans la zone sahélo-sahélienne, la France réitère son soutien au Burkina et aux autres pays du G5 Sahel pour vaincre le terrorisme devenu une gangrène. Nous devons travailler ensemble et mieux coopérer encore. Vous savez qu'il y a les groupes armés terroristes au nord de cette bande, il y a aussi Boko Haram et les terroristes frappent, vous le savez, ils frappent partout où ils peuvent et plus nous serons forts, plus la violence reculera. L'armée française est bien présente au Burkina. Dans le cadre de l'opération Barkhane lancée au Mali en août 2014, la France dispose depuis lors d'un point d'appui à Ouagadougou. Et même le déploiement du GIGN, une unité d'élite de la gendarmerie française dans la capitale burkinabé, s'est laissé entendre. En réalité, il ne s'agit pas d'un déploiement du GIGN, mais il s'agit d'une assistance technique de deux ou trois membres du GIGN pour aider la gendarmerie nationale et les forces de sécurité à la formation et à la préparation à la lutte contre le terrorisme. Et le Burkina Faso, on est parfaitement conscient qu'ils doivent organiser leur propre sécurité. Et nous, la France, nous devons les appuyer autant qu'il est possible, mais simplement à leur demande. La coopération militaire entre le pays des hommes intègres et la France date de 1961. Une amitié qui a permis au Burkina d'abriter deux centres de formation à vocation régionale, financés par la coopération française, à savoir l'école militaire technique de Ouagadougou et l'Institut d'études supérieures de protection civile.
Quelles sont aujourd'hui les priorités de cette coopération historique? Écoutons à ce sujet les précisions de la première conseillère à l'ambassade de France au Burkina. Elle est au micro de Roger Kam et Drissa Séré. Dans tous les secteurs au niveau de l'ambassade de France également, c'est-à-dire dans le renforcement des capacités humaines, dans le renforcement de l'état de droit. Nous sommes présents au ministère de la Justice, aux Finances, nous sommes également présents au ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, et sans oublier aussi le ministère de la Culture, puisque nous avons un outil qui est l'Institut français pour la promotion de la culture française, mais aussi burkinabé, et pour faciliter les opérateurs culturels dans leurs projets. Donc nous ne pouvons pas être partout, mais nous sommes quand même présents dans beaucoup de domaines. En plus, la coopération, c'est aussi tout le secteur économique avec les entreprises françaises. Hein, c'est environ 300 millions d'euros de contrats, ne serait-ce que l'année dernière. Donc le logement, bien d'autres le font. Nous ne pouvons pas être partout, mais nous assumons quand même des responsabilités très importantes, je le souligne, dans la réduction de la pauvreté. Et pour aller plus loin sur le sujet de la coopération franco-burkinabé, nous recevons, comme annoncé, M. Alpha Barry, ministre des Affaires étrangères. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. Alors, on revient d'abord sur cette visite que vient d'effectuer le président du Faso, cette visite de 3 jours donc, à Paris. Selon vous, quels ont été les véritables moments forts de cette visite-là? Et pour moi, c'est surtout le contenu, hein, parce que nous avions une visite de travail et j'ai rarement vu une visite de travail aussi chargée, puisque le président a été reçu à la fois à l'Élysée, à Matignon, à l'Assemblée nationale, et déjà pour ces 3 institutions. C'est plutôt le caractère d'une visite officielle. Pourtant, on était bien entendu dans le cadre d'une visite de travail. Donc, elle était assez chargée. Je ne parle pas des autres. Des autres activités qui étaient à l'agenda du chef de l'État, les hommes d'affaires, les amis du Burkina, mais également l'OIF et l'UNESCO qui sont des activités annexes. Et surtout aussi le rendez-vous au ministère de l'Intérieur qui était un rendez-vous assez pratique. Donc il y avait du contenu dans cette visite, à la fois à l'Élysée, à Matignon, au ministère de l'Intérieur et bien entendu aussi à l'Assemblée nationale, puisque que l'Assemblée est chargée de contrôler l'action du gouvernement, nous ont expliqué les députés. Voilà, Monsieur le ministre, beaucoup de rencontres, on a pu donc le suivre depuis Ouagadougou. Concrètement, quels sont les points de la coopération sur lesquels ce voyage a permis d'engranger des avancées? Alors, il y a trois points. Sur le plan sécuritaire, nous avons discuté concrètement avec sur des choses vraiment pratiques de la coopération. Qu'est-ce que réellement la France peut nous apporter dans la situation que nous vivons actuellement? Et je ne vais pas vous cacher, nous sommes partis avec une liste et ça a été des séances de travail pratiques. Voilà ce qu'on peut faire. Oui, ça, oui, ok. Alors, en termes de formation, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous allez nous envoyer une équipe à quel moment? Fin mai? Non, on dit début avril. Donc, c'était des discussions vraiment, vraiment pratiques avec du contenu et on est arrivé à des résultats intéressants pour notre pays. Alors, sur l'autre plan, sur le plan financier et économique, d'abord financier, nous avons demandé un appui budgétaire. Nous avons bien expliqué à nos partenaires français qui évoquent le modèle burkinabé. Vous avez entendu le président Hollande, mais on a bien expliqué que ce modèle-là doit vivre. Pour qu'il vive, il faut qu'il y ait du soutien. Et le soutien, il passe d'abord par l'appui budgétaire, parce que le président a expliqué au cours de sa conférence de presse à Bobo-Dioulasso tout le déficit que contient notre budget, mais aussi tous les engagements pris par la transition qui sont dans ce budget, mais où il n'y a pas d'inscription budgétaire, les engagements pris par la transition, mais dont on n'a pas trace dans les inscriptions budgétaires, ce qui fait qu'on est en train de réviser la loi des finances. Donc, il y a de gros défis en termes financiers, nous avons de gros besoins, mais en face, il n'y a pas toutes les ressources et nous avons demandé cet appui avec la France.
Parce que tout simplement, même quand vous prenez le cas de la dette intérieure, tout le monde aujourd'hui, ça crie partout, bon, il n'y a pas l'argent, mais évidemment, il n'y a pas l'argent. Est-ce que la France beaucoup, a répondu favorablement Oui, ça a été favorable. Ça a été favorable. La France a accepté de nous appuyer sur ce plan, mais la France aussi a accepté d'être aussi quelque part notre porte-parole auprès de l'Union européenne. Vous savez, ça, c'est important. La France contribue directement, mais elle contribue à travers l'Union européenne. Elle peut être aussi, pour utiliser un terme utilisé par un des diplomates français, le starter, c'est-à-dire celui qui va enclencher le processus de soutien international, notamment de l'Union européenne. Mais il y a aussi, vous savez, qu'on prépare une table ronde des bailleurs de fonds d'ici la fin de l'année, et la France est un partenaire qui pourrait nous appuyer auprès des institutions internationales au-delà de l'Union européenne. Vous avez la Banque mondiale, vous avez le FMI. Dans toutes ces instances-là, vous savez que c'est un partenaire qui est assez important, assez influent. Et cet appui budgétaire, est-ce qu'on peut savoir, ça se chiffre à combien? Non, on n'a pas encore arrêté le montant. Le principe a été acquis et maintenant, il va y avoir un travail technique autour de la question. Maintenant aussi, il y a le développement, puisqu'on a signé un accord entre l'AFD et l'Office national de l'eau, l'ONEA, pour le renforcement des capacités de l'ONEA à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Okay. Alors, Monsieur le ministre, vous avez évoqué, vous l'avez effleuré, la question de la coopération militaire. Alors, au-delà de cette question de l'assistance technique du GIGN, on sait que nos forces spéciales, par exemple, ont besoin d'équipements de pointe. Alors, sur ce plan, est-ce qu'il y a des engagements concrets qui ont été pris? Non, je vous assure qu'il y a des engagements concrets. Parce que moi, je dis, on n'a pas de complexe à avoir dans cette relation. Nous faisons face à une situation qu'aucun pays ne peut régler tout seul. Et le soir du 15 janvier, je vous avoue, à l'époque, on ne pense pas français, américain, burkinabé. Le problème, c'est que quel matériel nous avons pour arriver à neutraliser les terroristes. Alors, peut-être on a besoin de lunettes de vision nocturne, on a besoin de boucliers spéciaux pour pouvoir avancer, on a besoin de matériel de pointe pour avoir l'information pour une localisation exacte. Vous voyez, donc il y a des choses assez techniques, assez pointues, du matériel pratique dont on a besoin, qu'on n'a pas forcément, et il n'y a pas de complexe à avoir que d'être dans une relation où on mutualise nos forces pour pouvoir faire face à la situation que nous vivons. Alors, Monsieur le ministre, il y avait également ce que le président du FASO a appelé un couac. Alors, le ministre Cazeneuve qui annonce depuis Abidjan le déploiement du GIGN à Ouagadougou, alors que les autorités burkinabées n'étaient même pas au courant. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la brouille est dissipée? Oui, la brouille est dissipée puisque autant le président l'a appris dans la presse, autant moi aussi j'arrivais à Paris ce jour-là de New Delhi et j'ai appris dans la presse le matin en rentrant à l'hôtel. Donc le même jour, moi j'avais une réunion, j'étais reçu au Quai d'Orsay, on s'est expliqué dessus. Après il y a eu des échanges entre le ministre de l'Intérieur français et les autorités diplomatiques ici françaises. Ici à Ouagadougou, et après des échanges entre nous. Et cette visite était l'occasion de s'expliquer dessus. Et le président a relevé la question. Les autorités françaises se sont bien expliquées dessus. On a à la limite dit expliquer ce qu'ils entendaient par déploiement et qu'il ne s'agissait pas de déploiement, mais comme le président l'explique, il s'agit de 2-3 personnes d'une équipe technique qui vient pour des questions de formation. Okay. Alors, depuis Paris, comment vous avez vécu la polémique autour de l'accueil du président? Pour moi, il faut voir le problème sous deux angles. Il y a l'angle de normal qui est que les Africains ont leur façon d'accueillir et ne peuvent pas comprendre qu'ils soient accueillis
de la manière que ça se passe en France ou dans d'autres pays développés. Donc ça, c'est un débat qui ne date pas d'aujourd'hui, il date de longtemps, même pour nous, Burkinabés, puisque vous vous souvenez qu'en 1983, se déplaçant pour le sommet de Vittel, le président Thomas Sankara avait haussé le ton contre la manière dont on l'avait accueilli. Alors j'entends des voix qui disent qu'il faut la réciprocité. Mais ça n'a pas empêché le président Thomas Sankara de bien accueillir Mitterrand après, ici sur le sol burkinabé. Maintenant, quant à la visite elle-même du président Roch sur son accueil, il s'agissait bien d'une visite de travail. Et moi, j'ai été par le passé conseiller spécial d'un chef d'État. J'ai fait plusieurs fois les visites en France. J'ai été journaliste, j'ai vu des visites. Je n'ai pas vu une visite de travail avec un accueil aussi différent que celui auquel nous avons eu droit. Alors, j'entends des ministres qui critiquent pour dire que les anciens ministres, ils disent que non, qu'il aurait pu être accueilli par un ministre, par un ministre. Bon, moi, je voudrais qu'ils donnent des exemples. Alors, quand moi, j'étais ministre, en accompagnant Blaise Compaoré, nous avons été accueillis par tel ministre. Si j'avais des exemples comme ça, là, je peux m'offusquer de l'accueil que j'ai reçu. Mais c'est un accueil qui n'est pas exceptionnel. Non, mais allez-y. Moi, je pense qu'aujourd'hui, toute l'information est accessible. Vous allez sur Google, vous tapez, vous regardez. Tel chef d'État, à telle date, a été accueilli par qui? Vous aurez tout. Mais il ne faut pas confondre avec la COP21, où il y a eu un accueil spécial qui a été réservé au chef d'État, parce que le sommet se tenait au Bourget, et Hollande s'est déplacé pour accueillir directement les chefs d'État. Ça, c'est différent. Mais pour tout ce qui est bilatéral, même quand vous êtes en visite officielle, c'est un ministre qui vous accueille. Quand vous êtes en visite d'État, c'est un ministre qui vous accueille. Mais par la suite, il y a des détails qui font la différence. Par exemple, le fait de recevoir les honneurs militaires et l'hymne national aux Invalides. Et moi, je l'ai vécu avec le président Alpha Condé. Le fait de descendre les Champs-Élysées ou de résider à la résidence officielle de Marigny, ça, c'est pour le cadre d'une visite d'État. Voilà, voilà les détails qui font après la différence. Mais l'accueil à l'aéroport, ce n'est jamais différent. Okay. La différence peut se trouver le fait qu'il y ait un ministre s'il s'agit d'une visite d'État ou d'une visite officielle. Alors, monsieur... Mais une visite de travail, c'est pas différent. Monsieur le ministre, pour poursuivre, un premier déplacement officiel à Paris, l'ancienne puissance coloniale, certains y voient l'expression de l'emprise persistante de la France sur nos pays. Bon, moi, je vous dis une fois, moi, je n'ai pas de complexe. Le président l'a expliqué, nous avons eu un problème d'agenda sur les sorties du président. Je vous explique un peu. Alors, le président avait l'intention de faire des visites dans la sous-région dès sa prise de fonction. Mais son agenda a été bousculé par les événements du 15 janvier, suivi encore par les événements de Yimdi. Donc, il ne faut pas oublier que le Roch Kabore est président du FASO, mais il est aussi ministre de la Défense. Donc, la situation intérieure commandait qu'il reste sur place pour régler un certain nombre de choses. Mais pendant ce temps, il y avait la demande de la visite française avec Valls. Et certains pays qu'il devait visiter étaient en situation d'élection. Vous savez, il y a des susceptibilités dans les visites. Là où il faut commencer, par où il faut terminer. Si vous commencez là, ça peut être interprété autrement. Mais nous, on avait notre schéma clair. Mais malheureusement, on a eu affaire d'une part aux événements du 15 janvier de Yimdi, ensuite par les élections. Donc, on s'est retrouvé dans cette situation. Mais une fois de plus, quoi là en France, moi, je n'ai pas de complexe. Moi, c'est le contenu qui compte. On a eu du contenu, oui. La visite a été utile, oui. Donc, on y va. Monsieur le ministre, pour finir, alors aujourd'hui, on sait que la France, tout comme en tout cas beaucoup de pays européens, sont englués dans une crise économique en tout cas qui s'éternise. Est-ce que le Burkina ne gagnerait pas à miser davantage sur en tout cas les relations de coopération avec des pays comme les BRICS par exemple, les pays émergents où véritablement se jouent les enjeux économiques de demain? Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais moi, je vous ai parlé de New Delhi tout à l'heure. L'Inde fait partie des BRICS, donc j'ai visité l'Inde.
Et je suis allé, je suis ministre chargé de la coopération, j'ai négocié des choses importantes pour le Burkina, des projets importants. Et avant cela, je me suis rendu en Arabie Saoudite, et je me suis rendu également aux Émirats Arabes Unis, et je me suis rendu au Turkménistan. Donc, nous comprenons bien qu'il ne faut pas se limiter au champ européen. C'est une coopération que nous élargissons un peu partout. Merci, Monsieur le ministre, d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, le ministre des Affaires étrangères, M. Alpha Barry, était l'invité de ce grand journal. Il a été question donc de la coopération entre le Burkina Faso et la France. Suite de ce journal, une bonne pluie en cette période de canicule. Voilà qui ne devrait en principe faire que du bien. C'est le cas dans la plupart des localités touchées par les dernières précipitations. Mais dans le quartier Farakan de Bobo-Dioulasso, l'épisode s'est transformé en cauchemar. La ville a enregistré plus de 67 mm de pluie, entraînant des inondations dans ce quartier. Les habitants se sont réveillés les pieds dans l'eau. Constat Karim Ilboudo et Ali Traoré. Les habitants du quartier Farakan au secteur numéro 1 de la ville de Bobo-Dioulasso se sont réveillés ce matin dans la désolation. Les 67,2 mm d'eau que la ville a enregistré dans la nuit du 8 avril ont fait beaucoup de dégâts. Vers 22h, quand il y a eu la forte pluie, le secteur a été inondé. Bon, on ne savait pas quoi faire. Les maisons étaient remplies jusqu'au niveau des genoux. Bon, on a essayé d'évacuer comme on peut. Mais les gens même n'ont pas dormi dans leurs maisons. Et ça n'allait pas du tout. Autre dégât, il n'est pas possible d'emprunter cette voie. La cause se trouve ici. Bon, maintenant, avec ça, là, maintenant, ça bloque. Ce canal d'évacuation est carrément bouché. Donc, le gros trou qui est devant moi était rempli. On ne voyait même pas le passage. Et tu t'hasardais là-bas, tu partais directement. C'est cette pluie maintenant qui s'est évacuée sur la route-là et qui envoie tout les résidus que vous voyez aujourd'hui, et c'est rentré dans les maisons des gens. Et là, c'était mauvais. Et qu'est-ce qui a provoqué cela? Parce que quand ils ont refait le goudron là, les anciens qui étaient là, les anciens crues qui étaient là étaient mieux que ce qu'ils ont fait actuellement là. Parce que les anciens crues, c'était profond et large. Donc les trucs qu'ils ont fait aujourd'hui là sont trop petits. Et avant que ça ne finisse, mais quand c'est fini même, les balayeuses même ont rempli ça même des résidus. Aux environs de 11h30, les agents de la voirie se sont déployés sur le terrain afin de mettre un peu d'ordre. Et pour les habitants de ce quartier, le problème persiste chaque année. À cet effet, ils invitent les autorités à se pencher sérieusement sur la question. Mais le pont est mal fait. Comme bon, ce sont nos supérieurs qui ont fait ça, on ne peut pas les parler d'une manière. Mais on appelle toutes les autorités de la commune là de voir ça proprement pour quand même la survie de la population. Voilà le ministre des Infrastructures sur le chantier de bitumage de la route Ouagadougou-Komsilga. Alors que les travaux sont toujours en cours, des usagers se plaignent déjà de l'étroitesse de la chaussée. Éric Bougouma était également sur le chantier de l'avenue Narwamba à Zogona. Objectif, s'assurer que les travaux s'exécutent bien. Urbain Benito Sommet et Tanga Kafando. La route Ouagadougou-Komsilga en plein travaux d'aménagement et de bitumage. Des travaux qui s'exécutent en deux phases, une tranche conditionnelle de 14 km et une tranche ferme de 4,3 km et dont le niveau des travaux est estimé à 80%. Je ne peux pas confirmer qu'on pourra respecter le délai parce qu'on est déjà à 80%, on n'est pas encore payé, on est à 30% de décaissement. Ce n'est pas évident qu'on aurait les moyens pour pouvoir finir le chantier le 30, à la fin de ce mois, si notre condition financière n'a pas bougé. Mais avant la finition des travaux, on enregistre déjà des plaintes chez les usagers et les riverains. Des plaintes liées aux dimensions de la voie. On n'a même pas besoin d'être un spécialiste des voies ou un ingénieur de la chaussée pour comprendre que cette voie-là est étroite. Et pour le ministre des Infrastructures, le mal doit être pris en patience en attendant que l'État mobilise les moyens nécessaires pour l'extension de la voie. C'est une route qui est extensible. Nous allons l'inscrire dans les projets futurs et demander aux usagers de cette route d'être compréhensifs, de respecter les sections et les divisions qui ont été faites
de respecter les parties de voies qui sont réservées aux cyclistes et les parties qui sont réservées aux voitures automobiles. Ici, sur l'avenue Naramba, dans le quartier Zogonan, c'est le même groupement d'entreprises qui exécute les travaux de bitumage. Un chantier démarré en octobre 2013, mais qui se retrouvait bloqué pour question d'avenant, et le ministre se réjouit de la reprise des travaux et de saluer l'esprit de patriotisme de l'entreprise qui reprend les travaux avec un avenant sans incidence financière. Le maïs et le soja à l'honneur à Pau dans le Naouri, des journées promotionnelles pour mettre en lumière les potentialités de ces deux spéculations et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. C'est une initiative du réseau Mar Burkina en collaboration avec des opérateurs privés. L'ambition, c'est d'accompagner plus de 15 000 exploitants agricoles du Naouri et de la Sicilie afin d'améliorer leur performance dans la production. Issa Kafando et Maxime Zongo. Le couscous, le dégueil, la semoule et l'huile pour le maïs, des brochettes, de l'huile et bien d'autres à base du soja, autant de dérivés qui illustrent bien le fort potentiel de ces deux spéculations. C'est donc pour valoriser leur culture afin d'accroître le revenu des producteurs que ces journées promotionnelles ont été organisées. Ça va nous aider non seulement sur la production en quantité et en qualité, et sur l'écoulement aussi de notre produit. Culture à valeur nutritionnelle et commerciale bien reconnue, ces spéculations représentent de nos jours une stratégie de lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Elle rentre dans le cadre de la politique du gouvernement qui est d'accompagner les producteurs à produire pour une autosuffisance alimentaire dans notre pays. À la base de cette initiative, le réseau MARP sur financement de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique en collaboration avec des opérateurs privés. Notre motivation, l'engouement des producteurs autour de ces deux filières au niveau national, le bienfait du soja n'est plus à démontrer. Tout le monde sait que le soja aujourd'hui a un apport considérable sur le plan alimentaire, tant sur les humains que sur les animaux. Nous signons des contrats de production ferme avec les producteurs. Nous les apportons également l'appui nécessaire à la production et nous essayons aussi de commercialiser, de les aider à trouver des marchés sûrs et fiables pour la commercialisation de leurs produits. À l'occasion du lancement de ces journées promotionnelles du maïs et du soja, une vingtaine de producteurs modèles ont été primés. Ils ont reçu comme prix d'encouragement du matériel agricole et des enveloppes. Certains producteurs, par contre, ont fait le choix de la banane. Sur les berges du fleuve Moun, dans la commune de Wessa, les bananeraies fleurissent et s'étendent à perte de vue. L'activité a commencé depuis une dizaine d'années et les producteurs sont organisés en groupement. Leurs bananes alimentent les grandes villes comme Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, Oumarou Sayon et Issiaka Nana. La production de la banane connaît un essor dans la région du sud-ouest et plus particulièrement dans la province du Yoba. Sur une superficie de 2,5 hectares, Badikoum Hien espère faire un bénéfice de plus de 10 millions de francs CFA l'hectare. J'étais dans une coopérative à Fara. Maintenant, je suis revenu dans ma région pour partager mon espérance. Ce que je fais ici, si les jeunes se maintiennent à faire ce travail, on n'a plus besoin d'aller en Côte d'Ivoire. Ça rapporte. Tout comme ce producteur, ils sont plus d'une quarantaine réunis en groupement à s'adonner à la culture de la banane naine depuis une dizaine d'années sur les berges du fleuve Moun. Ici, l'eau ne tarit pas, donc les plantes produisent à chaque période de l'année. Je dois récolter 2 tonnes de bananes aujourd'hui même. D'ici à la prochaine récolte, j'aurai plus de 5 tonnes. Des produits qui sont écoulés dans la région du sud-ouest, notamment à Dano, Djebougou, Dissina et surtout dans la capitale Ouagadougou. Car cela ne tienne, ces producteurs disent être confrontés à de nombreuses difficultés. Il faut prendre crédit, faire l'investissement qui coûte très cher et après l'investissement, on se retrouve main vide. C'est ça nos difficultés. Des fois, l'engrais, ça pose pas mal de problèmes pour, avec nous. Tu peux avoir un peu d'argent, tu ne peux pas avoir l'engrais. Parce que c'est l'engrais coton et nous ne sommes pas protégés de coton. L'État, dans sa politique d'accompagnement aux producteurs, effectivement, chaque année, arrive à subventionner un certain nombre de stocks en faveur, en tout cas, du monde paysan. Du reste, il faut reconnaître que ces stocks ne sont jamais suffisants. Il faudrait aussi que les producteurs, dans leur
compte d'exploitation, il prévoit quelque chose aussi en ce sens pour ne pas rester dans l'attentisme. En attendant une éventuelle subvention de la part de l'État, le groupement mixte des producteurs de bananes de Dano émet le vœu de voir la réalisation du barrage de Wessa, chose qui permettra d'accroître encore plus leur production et aussi faire du Sud-Ouest un pôle de croissance économique. Santé à présent, où en est-on du projet EBOVAC 2? Il s'agit de la mise au point d'un vaccin préventif contre le virus Ebola. Le processus est à la phase 2, celle de la vérification de la toxicité du vaccin. Des dizaines de volontaires ont déjà été vaccinés à titre expérimental, une étude qui devrait durer 18 mois. Moumouni Barou. Actuellement, il n'existe ni vaccin homologué, ni traitement préventif ou curatif contre la maladie à virus Ebola. Cependant, il y a de l'espoir. Plusieurs vaccins sont en cours de tests dans le monde, comme EBOVAC 2 en expérimentation à Bobo-Dioulasso. Sa particularité avec les autres vaccins est que, s'il s'avère efficace, il permettrait de prévenir non seulement la maladie à virus Ebola, quelle que soit la souche incriminée, mais aussi la maladie de Marburg, qui entraîne d'autres types de maladies chez les humains. Nous sommes en train d'expérimenter ce vaccin à la phase 2, dans le processus normal d'expérimentation, qui correspond à vérifier que le produit n'est pas toxique, vérifier que les organismes humains au Burkina Faso tolèrent le vaccin injecté et surtout nous assurer que ces organismes humains au Burkina Faso, quand ils reçoivent le vaccin, développent, produisent des anticorps dirigés contre la maladie à virus Ebola. L'essai vaccinal qui s'étale sur 18 mois va se mener sur des volontaires. Il y a eu déjà à peu près 200 volontaires qui sont passés et dont on a fait les examens chez une centaine de participants. Et il y a une soixantaine qui ont déjà été vaccinés. Sans problème. Selon les responsables du projet EBOVAC 2, le risque d'entraîner la maladie à virus Ebola est nul chez les volontaires car la préparation vaccinale n'utilise pas des virus vivants atténués, mais plutôt des molécules synthétisées incapables de se multiplier. Lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH, là il n'est pas encore question de vaccin, mais plutôt d'une plateforme régionale. Elle est animée par la société civile à travers le réseau d'accès aux médicaments essentiels. L'initiative est soutenue par le Fonds mondial et le gouvernement burkinabé. Nongba Kouda et Claudine Dimabio Bikaba. C'est connu, le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida font des ravages au sein des populations. Et pour réduire les effets et impacts de ces trois pathologies, société civile, gouvernement et fonds mondial ont uni les efforts. Cela à travers une plateforme régionale de coordination et de communication de la société civile sur le fonds mondial. Il est important que si nous voulons aller vers des soins de qualité, si nous voulons aller vers plus d'efficacité, que nous puissions impliquer davantage le patient dans la prise de décision, le patient dans la gestion des services de santé et que nous puissions, au-delà du patient lui-même, impliquer les structures communautaires comme structure de veille dans la gestion et la prestation des services de santé. 14 pays francophones ont participé à l'élaboration de cette plateforme avec pour avant-gardiste le réseau d'accès aux médicaments essentiels RAM. Le Fonds mondial a trouvé nécessaire de mettre en place des plateformes à travers le monde qui va vraiment servir d'interface entre l'offre d'assistance technique et la société civile pour voir comment est-ce que nous allons pouvoir coordonner au mieux cette assistance technique et permettre à une société civile de se renforcer, de se développer et d'être vraiment un acteur clé dans les différents processus qu'il met dans les pays. Pour rappel, le Fonds mondial a octroyé au Burkina 335 millions de dollars depuis 2002 pour lutter contre ces trois pathologies. Et pour plus d'efficacité dans la lutte, cette plateforme devrait renforcer l'assistance technique auprès des structures locales. Il y a quelques mois, le ministère de la Culture lançait un appel pour le financement de projets porteurs dans le domaine de la culture et du tourisme. Près de 400 dossiers ont été reçus. À l'arrivée, 75 ont été retenus, des promoteurs qui se partagent une enveloppe de 100 millions de francs CFA. Adama Guiti, Yolande Lompo. Sur les 397 dossiers soumis à l'appréciation du jury présidé par Gaston Caboret, 75 ont été sélectionnés. Ainsi, ces entreprises ou associations œuvrant dans le domaine culturel ou touristique
bénéficieront d'un montant global de 100 millions de francs CFA de la part du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme pour concrétiser leur projet. Les dispositions seront prises afin de s'assurer de la mise en œuvre effective des projets subventionnés. Un suivi rigoureux et permanent sera effectué par le ministère quant à l'utilisation des ressources accordées. Cette action ne sera pas la dernière, car il est de notre devoir d'accompagner les opérateurs privés dans le développement de leurs activités. Le montant de la subvention d'un projet varie entre 452 000 et 7 millions de francs CFA. Les 49 projets culturels et les 20 projets touristiques se répartiront équitablement la somme totale de 94 millions de francs CFA. Quant aux 6 projets jugés transversaux, une enveloppe financière de 6 millions leur sera allouée. Chaque projet a fait l'objet d'une évaluation notée sur 100 points. Et c'est sur la base donc de cette évaluation que le comité peut livrer la liste des projets retenus pour financement. Et pour donner plus de chances aux opérateurs d'être sélectionnés, le jury encourage le ministère en charge de la culture à renforcer leur capacité en technique de montage de projets. C'est également un soutien de la plus grande importance pour les éditions Sidoya, un puissant groupe électrogène pour assurer la continuité des activités en cette période de délestage. C'est une contribution de la Loterie nationale burkinabé. Ibrahima Sombier, Ramatou Zida. Le délestage et son lot de désagréments n'est plus qu'un mauvais souvenir pour le quotidien d'État Sidoya. Grâce à ce groupe électrogène de 440 kVA, Sidoya va assurer la continuité de l'apparition de ses numéros, même en cette période de forte chaleur. Ce don d'une valeur de près de 57 millions de francs CFA est offert par la Loterie nationale burkinabé. La nationale des jeux entend ainsi répondre aux besoins en énergie de Sidoya et lui permettre de satisfaire à temps les lecteurs. Nous sommes dans un domaine hautement concurrentiel. Si nos produits sortent en retard parce qu'on n'a pas d'électricité pour pouvoir fonctionner, ça trouve que la concurrence a déjà occupé le terrain. Nous avons véritablement besoin d'avoir de l'énergie en permanence pour pouvoir produire. Nous devons remercier la Lonabé qui fait vraiment preuve de son slogan en mettant donc les bénéfices du jeu au profit de la nation. Et notamment au profit des citoyens. Le geste de la Lonabé s'inscrit dans sa dynamique de contribuer au financement des activités de presse au Burkina. Quand nous avons reçu la requête des éditions citoyens pour le groupe électrogène, que nous avons trouvé fondé, parce que c'est la nationale de la presse écrite, comme nous on est la nationale des jeux, il fallait les accompagner. En retour, les éditions Sidoya vont offrir des espaces de visibilité à la Lonabé pour satisfaire son besoin de communication. Un partenariat gagnant-gagnant que le ministre en charge de la communication souhaite pérenne. Et puis, je vous le disais, ce terrible drame dans le sud-ouest de l'Inde, un incendie dans un temple hindou, a fait au moins 107 morts et plusieurs centaines de blessés, la plupart souffrant de brûlures. Des milliers de personnes étaient réunies hier dans la nuit pour célébrer le nouvel an hindou. Tout est parti d'un feu d'artifice, alors même que ce type d'engin était interdit à cette manifestation. Le temple de Puttingal Devi dans le sud-ouest de l'Inde n'est plus qu'un vaste champ de désolation. C'est ici dans la nuit de samedi à dimanche qu'au moins 107 personnes ont péri suite à un gigantesque incendie causé par un feu d'artifice. Une catastrophe qui aurait pu être évitée, le feu d'artifice n'avait pas été autorisé par l'administration locale. Les précautions de sécurité n'ont pas été prises correctement, tout comme le gabarit des feux d'artifice. Ils étaient surdimensionnés par rapport au lieu, explique ce médecin. Même si les incendies et les bousculades sont fréquents en Inde, quelques heures à peine après le drame, le Premier ministre indien a fait le déplacement. Le temple était bondé lors de l'accident à l'occasion des fêtes du Nouvel An hindou. Outre les 107 morts, le bilan provisoire fait aussi état de quelques 350 blessés. Parmi eux, beaucoup souffrent de graves brûlures. Sur ces images amateurs prises au moment du drame, il semble que des étincelles produites par le feu d'artifice soient retombées au sol, provoquant plusieurs fortes explosions à l'origine de l'incendie. À présent, les nouvelles sportives avec Mahamadi Wena. Bonsoir Wena. Bonsoir Jean-Emmanuel et merci de nous recevoir pour l'actualité sportive nationale. Alors, 18e journée du championnat national de football D1,
le leader, le RCK, s'envole en tête de classement. Oui, le RCK qui est allé s'imposer hier à Pau devant Majestic 1-0 grâce à un but de Jérôme Ouya, le leader qui reste solide, alors que nous revoyons ce but-là, qui reste solide et qui profite du match nul de Luso. Luso et le Santos qui sont neutralisés un but partout, le penalty du Santos, Michael Ibe, et Luso qui a égalisé en seconde période grâce à celui-là qui a provoqué le penalty. Et à la suite de ce match, Uso et Santos, on a eu une deuxième rencontre au Stade du Katout hier et c'était l'étoile filante de Ouagadougou qui a joué contre l'Ousfaé qui a gagné 1-0. Et l'Uso reste la seule équipe invaincue de ce championnat après 17 matchs joués. Et les autres résultats de cette 18e journée, l'USCO a reçu la Sonabel 0-0, Bankou Sport Uzi 1-2, ça veut dire que l'Uso est allé gagner 2-1. RCB Kozaf 1-0 pour le RCB. AGEB Asfayenga 1-0 pour l'AGEB. Et BPS ASFB 2-0 pour le BPS. Et au classement, le RCK, comme on le disait tantôt, reste leader avec 37 points, suivi de l'Uso qui, malgré son match nul, a 31 points avec une différence de but de plus 9. Et le RCB suit également avec 31 points, mais est deuxième. Les résultats sont toujours connus. Majestic 15e et avant-dernier, 8 points, une différence de but de moins 12. Bankou Sport, dernier, avec 8 points, une différence de but de moins 17. Voilà pour le point donc, de la D1 en football. En handball, la Ligue du Centre a démarré son championnat ce week-end. Oui, la Ligue du handball a démarré son championnat hier et cet après-midi, l'AS Onea a pris le dessus sur l'AS Douane. C'était les dames, vous voyez ça en image, par 26-25. Et après ce match des dames, on a eu droit à un autre match. Ça, c'était les juniors, les garçons. Et là, l'USFA a disposé de l'AS Sonabi par 31-29. Et, mais il y a eu d'autres matchs. Et en junior, l'AS Onea a battu Dauphin chez les filles. Dauphin par 23-22. La Lonabé Handball Club prend le dessus sur l'AS Sonabi 31-20. Et les seniors dames, Asfayenga, AS Sonabi 19-16. Chez les hommes, junior garçon, AS Onea Espoir 34-8. C'était un non-match parce que l'AS Onea a totalement dominé cette rencontre. Et AS Sonabi USFA 29-8 également. Et pour l'AS Sonabi, AS Sonabel, AS Onea 25-19. Et actuellement se joue au Palais des Sports le match AS Sagesse AS Douane. Voilà, merci Mamadi Wena pour toutes ces informations. Plus de détails, bien sûr, demain, donc au magazine des sports à 21h. Oui, pas de problème. Demain, il y aura plus de détails. Voilà, je crois que le rendez-vous est pris. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Toute l'équipe de cette semaine se joint à moi pour vous souhaiter une bonne reprise de travail demain.